bonjour, interlocutrice et interlocuteur. Ici Gelden pour les Jeux du Cygne. Nous retrouvons notre colonie des Jeux du Cygne qui a bien souffert. Mais c'est pas grave, parce que c'est nous qu'on est les plus forts. On a bien souffert globalement sur ces derniers épisodes. La partie a été plutôt calme pendant un certain temps, mais là, je dois bien avouer que ça commence à être un peu chaud chaud. Ah, et on va arriver, il me dit que la température va baisser, il y a besoin de vêtements chauds. Ouais, bon. Pour un temps, ça va attendre. Hop. Ton fils... Non, je l'ai libéré, il est dans sa chambre. Mon scanner à longue portée, non pas scanner géologique, il a quand même pas beaucoup servi depuis le début. Hein. Ok, DB Games totalement guéri, ça m'enferme plus. Zit, oh fait chier, 4143. Boum, aïe aïe aïe. Allez, faut vite aller éteindre tout ça. Bon, tiens, on me dit ça, c'est urgent. Ça, par contre, c'est les trucs. Ça aussi, c'est transport urgent. Ça, par contre, c'est à brûler. Je vais laisser la traîner. C'est la zone fait 21 degrés, moins 18. Bon. Storch est totalement guéri. Bien, allez. On y arrive. Ok, alors, donc, on va faire ce qu'a dit Monsieur Caneton. Hop. Psychopathe. Hop. Donc, psychopathe, cette zone-là t'est réservée. Alors, comment est-ce que tu fais? Il faut l'inter... Non, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'inverse derrière. Parce que je ne peux pas l'autoriser... Oui, c'est qu'il faut que j'interdise la zone à tous les autres, en fait. Donc, il faut que j'inverse. Hop, gérer les zones inversées. Voilà, et donc, du coup, il n'y a que Onyxtro qui pourra y aller. Et je peux autoriser. Donc, c'est ici. Donc, je fais ça, sauf pour Onyxtro qui est ici, qui est non restreint. Voilà. Monsieur Caneton, tu es un génie. Ah oui, je peux aussi effectivement m'autoriser que cette zone-là... Tac, tac, tac. Donc c'est la zone, retire la zone psychopathe. Tac. C'est malin.
J'ai jamais été autant en galère de... psychopathe. Ah oui, en effet, c'est vrai qu'il faut aussi que j'enlève cette zone-là. Lolo cochon. Ah, il commence à être il commence à être au max là. Il vaut le coup. Écureuil enragé, bah tiens. Le précédent, il voulait se laisser dompter. Là. Voilà, bim, ça c'est fait. Voilà, c'est fait. Tiens, je sais ce qu'il faut que je rajoute aussi. C'est une balise orbitale ici. Ça doit être ça. Non, je voulais vraiment être chez eux. S'ils ne veulent pas de moi, je vais les bouffer. Les provisions. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient? Des prothèses auditives. 69 luciférium. Oh putain. Ah, mec, sérum de résurrection. Si jamais je perds du monde. Là. Lui, je peux pas le ressusciter. Parce que je crois bien qu'il a perdu la tête. Si mes souvenirs sont bons. Les prothèses auditives 14. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait combien 14 prothèses auditives? Ouais, c'est surtout ça, quoi. Laisse tomber 14 x 4, ça fait 60, 56 composants. Ouais, tu me diras les 50, 78, mais... Et en métal, ça fait combien? 20 x 14, ça fait 280. Allez! Allez. Alors, tiens, j'ai un fusil d'assaut opérationnel. Fusil d'assaut. Et juste. C'est une merveille, carrément. Je l'avais d'avant. Ah non, du coup, il veut pas en faire. Attends, ce que je vais faire. C'est un peu la main. Attends, d'abord ça, si je veux qu'il le fasse en premier, il faut que je le mette en premier. Non, au cas où. Tac. Et là, je vais demander d'en avoir au moins des bons. Et par contre, du coup, je peux... Fusil à pompe automatique, gilet pare-balles. Ouais. Allez, on est reparti. Attends, du coup, je vais peut-être pas fermer les médicaux tout de suite. Et la quête, je l'accepterai quand je serai ric-rac un jour. Ah, bon, tant pis. Bon, c'est vraiment naze ce frigo. J'aurais jamais dû le faire. Voilà, en tout cas. Il est très 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 pourri, peut-être.
J'aurais dû le faire beaucoup plus proche de là où j'étais. Y a personne qui nettoie là. Putain, mais c'est n'importe quoi. Clean this room. Les buffalo se rapprochent des cadavres. Onyxtro est totalement guéri. Youhou! Et ça, la première chose qu'il fait, c'est transporter tout ça. Formidable. Hop, chez les cochons. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est que c'est du granit. Pourquoi on a... Inspiration pour le dressage. Formidable. John, t'as combien de dressage? T'as beaucoup en dressage, toi. Et tant. Si jamais il y a un autre Trumbo qui apparaît, tu me ferais pas un petit Trumbo, là? Oh, ce serait bon, ça. Vendeur de produits exotiques. Eh ben. Lithium. Yep, 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 yep. Chobiti, laisse ta place. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir me prendre? Une sculpture en marbre, ça, c'est toujours bien. Ah oui, il faudrait que je remette... Ah, j'ai un bras bionique ici. Il faudrait peut-être que je m'en serve. J'ai un sérum du repos de la mort, ok. Good juice, ça disparaît. Smoke leaf, ça disparaît. Ouais, t'as pas grand chose à me prendre moi. Médicaments avancés, je vais prendre parce que je suis quand même un peu en galère. Poumon détoxifiant, œil arcothèque, sculpture, télé. Ouais. Bon, c'est pas ouf comme transaction, mais bon. Merci, quelle petite chienne. Merci d'être venu. Bonne soirée à toi. Qu'est-ce qui pourrait m'équiper un bras arcothèque? Qui c'est qui est pas beaucoup en manipulation? Rossignol. C'est surtout que t'es un peu, encore un peu dans les vapes. Madness, c'était parasite musculaire, lithium, man trotteur. Ça fait quoi déjà man trotteur? Sur lithium. Ah mais non, c'est le fait, c'est les cochons. Bête. DB Games, prothèse de bras. DB Games, est-ce que je te mettrai un bras bionique? Ça pourrait être une idée. En fait. Bras bionique à gauche. Allez. C'était un bon constructeur, donc plus en manipulation c'est bien. Agriculture aussi, je pense. À mon avis, manipulation ça doit affecter ça aussi. Ok. Et ben. Catox. Ouh, Catox, là c'est dans le rouge qui clignote ça. Je pense que quand tu auras fini de manger, tu vas t'occuper de faire ça et à mon avis. Oh, j'ai plus de bois. Merde. J'ai plus de bois. Ordre. Hop. Récolter à maturité.
Tac. Ça fait longtemps que je n'ai pas récolté en même temps. Tac. Hop là. Processeur de gène. Hop. Archogénétique. Créer des gènes apparemment impossible. Prothèse bionique. Ça pourrait être sympa. C'est peut-être pas ce qui est le plus important. Porte automatique. Télé. Je pourrais mettre des télés dans mes dans mon hosto. Bouclier d'énergie aussi pour mes. Allez, bouclier d'énergie pour mes corps à corps là. Hop, installation d'une prothèse. Et c'est une réussite et j'ai même gardé la prothèse de bras. GG. Trop de maintenance, les portes auto, ouais. Non mais c'est pas pour en faire partout. Mais j'aime bien en faire sur... sur le frigo par exemple. C'est toujours pas fait ça. Tiens. T'es qui toi? Comment on a besoin d'aide? Ketox. Ah, ça y est. Est-ce que ça va être un garçon? Canton, c'est l'heure de se réveiller. Secourir. Non, c'est pas secourir, attends. Rassembler pour donner naissance, c'est ça. Hop, on peut mettre des. Oh, trop cool, on peut faire des spectateurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça donne plus de chance, je pense. Ouais, ça donne juste. Allez, se déroule dans un lit en bois. Attends, bon. On dégage. Au signal, oust. Hop. Hop, hop. Médicaliser merveille. Allez, c'est parti. Une petite sauvegarde. Hein. Faudrait quand même pas que ça se passe mal. Quels vont être les gènes du bébé? Respecter les gènes. Ah, cheveux bruns, cheveux cendrés. Ouh là 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 là. Damned Xuviti, c'est un grand moment. Qui sera-t-il? Je n'ai pas vu. Ouais, ouais, ouais. Ah, ah, ah. Alors, au signal, c'est bon, tu peux te recoucher quand même. Et, c'est une femme. Ah là 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 là. Ce ne sera pas un petit signe. Tout cassé, c'est ça. Bien. Effet du lit sur la santé, propreté de la pièce. Âge de ketox, hein, ça commence à être. Alors. Une petite sœur pour Chobiti et des Damned, ouais. Quand va-t-on l'appeler?
Comment va-t-on l'appeler? Son nom. Il n'y a pas beaucoup de filles sur les jeux du cygne. En dehors de Chobiti. On a qui? Il y a SDO, je crois. J'ai pas envie d'appeler un bébé SDO. Qu'est-ce qu'on a? Ah, Calispitium qui a rejoint le Discord. Zébusette. Est-ce qu'il y a des... Alors, est-ce qu'il y a des mécènes qui n'ont pas... Ah, je pourrais quand même... Ardarinette ou Bourg des Fêtes. Ils sont quand même nos nobles du mois. Ah, Ardarine. Oh, Ardarine, ça pourrait être avec un E. Ardarine. Normalement, il n'y a pas de. Non, ce sera son nom. Ardarine Anne. Allez. Kenton, tu pourrais peut-être t'occuper de. Hop. Allez. Broudinette. Ouais, Kenton, il va se coucher, hein. Ça l'a fatigué tout ça. Bon, méchant Blao, ça avance pas beaucoup, hein. Je remarque. Les pompes à pollution, ça avance pas beaucoup non plus. Et je remarque aussi que c'est quand même un peu crade cette balle. Ça manque de gens qui... Inanition. Katox, putain, mais... Canton, t'es sérieux, là? T'es sérieux, quoi? Canton, tu laisses ta femme mourir de faim. Bon, qu'est-ce qu'il me fait, Tom, là? Qu'est-ce qu'elle me fait? Ben voilà. Termine la construction du câble électrique. Formidable. Ok, c'est Kenton qui va. Hop. T'es sérieux, là? Termine-moi ça. Mais non. Ah mais putain, il n'y a pas assez de... Pas de composants. Bon, Katox besoin de rien, mais bon, on lui en veut pas trop. Chobiti regarde la télé. Pendant que Rossignol apprend la mêlée à Damned. Non, je sais, elle n'est pas connectée parce qu'ils ont. Ah si, maintenant c'est bon. Ils n'avaient pas terminé les câbles. Il n'y avait pas assez de métal. J'espère qu'il n'y a pas besoin que ce soit. Que ce soit. À l'air libre. Je commence à avoir du monde. Hein. Ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, plus Ardarine, 20. 20e colon. Et eux, c'est quoi? C'est des. Toi, tu es une exploitation d'Hémogène. Et toi, tu es en recrutement. D'accord. Rallytance 1. Ce sera mon 21e. Ah, the fuck. Oui, bah de toute façon, je l'ai orienté cac. Damned. Là, c'est le drame. Ça va me couper du bois là. Hop. Me couper ça. Parce que. Il en faut ici. Ouais, parce que mine de rien, ça commence à pomper un peu. Bouclier d'énergie. Non, bah écoute, en termes de stock. En termes de stock, ça va, hein. Je suis bien là. Faire des armures. Stock d'hémoglobine, tu vois, franchement. J'en ai 16 là. J'ai regardé un peu le stock descend pas vraiment. Ouf. Ah oui, il n'y a plus de bois. Bah oui. Je leur demande de couper du bois, ils le font pas. Bande de couillons. Bah maintenant vous aurez plus d'électricité, vous allez me couper du bois. Abruti. Bien. Ouais, parce que pas de vent. Pas de vent, pas de bois, bah, pas de courant. J'ai toujours pas recherché l'énergie géothermique. Hein. Mais si, putain, quel con. Oh là 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 là. Mon Dieu. Je l'ai depuis je sais pas combien de temps. 340 d'acier, j'en ai 1300, ça va. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que je suis con parfois? Tac tac. Arrête, là, tu vas en demander pour. Je vais me faire là. Hop. Pourquoi est-ce que j'ai personne qui me coupe ce putain de Spiky? C'est quoi tes priorités? C'est fermé. Sir Madness. Fermé aussi, mineur. Oh bah. Faites-moi du coupage. Hein. J'ai besoin de bois. Bien, bien, bien. La résistance. Hop. C'est vrai que j'avais oublié quand j'ai eu mon siège que j'aurais pu utiliser mon mortier. C'est une extro qui est dans le mal? Oui, t'avais rien mangé, effectivement. Alors, c'est bien joli, mais en fait, je peux pas y accéder là, hein. On est d'accord. Là, j'ai une ventilation.
Je vais péter la ventilation. Voilà. Ok, là ça finit aussi. Nouvelle recrue. Et ben voilà, notre 21e colon. Je vais gérer ses priorités et ensuite je vais m'arrêter, puisque demain j'ai quand même un peu de route. Donc, je vais hop, cuisiner. Très bien. T'es un bon tireur. Machin truc. C'est quoi? Ah oui, t'es un très bon tireur. Donc tu vas être un soldat. Tu vas t'habiller en soldat. Tac, tac, tac. T'as 8 en tir. Ça te met pas dans les meilleurs tireurs, mais... T'es après débuté. T'es même un peu une quiche. N'ayons pas peur des mots. Mais c'est pas grave, on t'aime bien quand même. Et tu vas t'équiper de... un autre bon fusil à pompe. Tac. Donc je gère ses priorités. Il faut que... C'est pas un psychopathe. Il faut que je gère son planning. Hop. Et donc, on a dit, genre machin. Il fait quoi par... cuisine artisanat. Ok. Eh ben, tu vas cuisiner et artisaner. Où que t'es, où que t'es, où que t'es. Genre machin. Manutention achevée, joli 4. 4. Dresseur, je m'en fous. Cuisinier, c'est bien. Chasseur, vas-y. Et puis, artisan. Hop. Voilà. Les quiches, c'est pas la peine qu'ils s'y mettent. Bien. Eh bien, chers amis, ouais, merci pour les bonnes vacances. Chers amis joueurs, quand nous reprenons cette partie, oh bien, DCMT, nous serons en 2023. Je vous souhaite à tous de passer de bonnes fêtes. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à l'année prochaine. On va faire un petit raid. On n'est pas nombreux, je crois. Vous êtes deux. Je ne sais pas qui est le deuxième. Et tu veux que je t'envoie sur un autre stream, Canton. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait faire l'affaire? Hop. Edreda sur Factorio. Sur Factorio. Allez. Tac. Shred. Edreda. C'est parti. Ah, voilà. Un qui est prêt à rejoindre. Ça fait pas long. Deux. Allez, ciao à tous. Merci beaucoup d'être venus.